Nous devons faire l'islam lorsque nous avons du temps libre pour nous capables de mettre dans un iPad non, ou dans un cahier de notes, pour nous, ça a toujours été là. Et le monde, ça a, lorsque nous finissons de délivrer, laisse ça nous retirer. Amen? Amen. Lorsque nous finissons de délivrer dans le dossier, nous croyons dans 10 jours, nous retirons. Je dis à ce deuxième jour, amen? Amen. C'est lui, Seigneur, Seigneur, avant 10 jours, ça a fini, vous voulez vous prendre pour faire un miracle. Amen? Amen. Je vous dis ça. Mon Dieu, pour faire un miracle pour vous avant 10 jours, ça a fini. Parce que le pape vide là, on vend pour. C'est seulement Chito Benchina. Amen. Vous venez faire un miracle fait pendant obtenir le message de la parole de Dieu. Miracle fait pour nous. Avancez toujours même qui va bien. Avancez ou même qui va bien avancer. Avec qui va devoir venir là. Ok, nous avons 5 papiers. Nous avons 6. Non, nous avons 6. Et pour le Seigneur, faites miracle au nom de Jésus. Même qui besoin visa tout pour aller au Canada, en France, ou bien en Afrique, ou bien en Allemagne, ou bien n'importe l'autre côté, États-Unis. On va nous tout dossier ça aussi pour écrire. Amen. C'est pour écrire et puis nous porter devant le trône de Dieu. Amen. C'est ça le Seigneur dit. Amen. Il dit comme ça, approche-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secoué dans nos besoins. Avec au point de papier ça, il y a un sac qui a besoin ou écrit un problème. Et puis nous-mêmes, nous avons un nom, nous sommes capables de porter au devant le Seigneur. Amen. Nous avons prié, c'est vrai. Mais lorsque nous connaissons un nom et nous mettons, c'est une prière de déblocage pour que nous ne pas de problème directement si vous voulez, ou bien un petit problème. Non. C'est comme ça nous-mêmes la bonne comment pour la prière. Amen. Gloire à Dieu. En matière, et nous tapons des bas sujet ça qui dit être un chrétien né de nouveau. Amen. Être un chrétien né de nouveau. Et nous pas de fidèles, nous ne sommes pas en pile. Amen. Amen. On ne pas en pile lorsque nous prêchons. Dans le verset, nous avons un bon nombre de temps pour nous parler. Et toujours impossible pour nous finir. Pour nous finir au message, et c'est pas parce que nous sommes pas capables, mais c'est parce que nous quittons le Seigneur, diriger nous. Amen. Gloire à Jésus. Nous voulons pas nous avoir un septième papier. Continuez. Avant un septième papier. Ou même qui ont live seulement écrit nous. Et puis pour nous capables de faire ça pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous te dit, nous sommes arrivés dans la phase ce matin. Hein? Nous te dit le fait d'être né de nouveau est un acte. C'est un acte de Dieu par lequel la vie éternelle est accordée à la personne qui croit. Amen. Amen. Nous te dit le fait d'être né de nouveau est un acte de Dieu par lequel la vie éternelle est accordée à la personne qui croit. Notez pas où il y a un premier verset qui c'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Amen. Nous t'ai parlé un peu de l'immatériel hein, qui dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nous. Parce que si moi en Christ vrai, c'est de quoi nous fumer. Avant pour qu'on ait Christ, parce que mes jeunes Christ, il faut qu'il te fille. Fumeur. Amen. En tout cas, il faut quitter cigarette. On va une fois chita, on va une fois faut quitter suspend, on va tout bretafia. Après, lorsque vous parlez de bretafia, il y a des gens qui utilisent l'alcool en même temps qu'ils ont de l'eau. On va l'alcool et le bon pour l'estomac, j'ai que la Bible explique ça, le bon. Mais il n'est pas bon pour avoir le temps pour l'eau. Amen. Amen. Nous devons mettre accent sur ça. Et parce que la parole de Dieu n'est pas menti. Alors, si la parole de Dieu n'est pas menti, et moi-même, ça va avec vous, nous devons suivre toute ça la parole de Dieu dit. Amen. Amen. La caméra.
Dieu. Alors, yon huitième, marié. Merci Seigneur. Alors que la parole de Dieu nous doit suivre. Amen. Alors, en deuxième verset, nous allons toucher, c'est Tite chapitre 3, verset 5. Le verset 5, il dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de sa régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Regardez bien, Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Même j'ai un pile monde, lorsqu'on prend la religion catholique, ça, catholique, mon ça, on pense que c'est œuvres qui amènent au ciel. C'est pas œuvres qui amènent au ciel. C'est pas œuvres qui permettent qu'on sauve. Non. Amen, l'église. Amen. C'est pas œuvres qui permettent qu'on sauve. C'est pas œuvres. Non. Vous pensez que c'est œuvres, bon, mais œuvres pas conduites au ciel. Amen. Amen. C'est Dieu. Comprends? Le fait d'être né de nouveau est un acte de Dieu par lequel la vie éternelle est accordée à la personne qui croit. Il dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération. Amen. Okay? Et la nouvelle naissance. Lorsque régénération. Amen. C'est la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est pas parce que nous faisons des œuvres qui justes, mais nous sauvons par grâce. Regardez ça avec moi rapidement dans Éphésiens chapitre 2. On va parler de ça. Alors, on va quitter ça toujours. On va quitter ça toujours parce que nous allons toucher. Lorsque la Bible a parlé là, il parle de la nouvelle naissance. Lorsque bon Dieu sauve le monde, lorsqu'on accepte que ça veut dire bon Dieu sauve, et puis la nouvelle naissance manifeste. Alors nous devons recevoir la vie de Jésus, Amen. La vie de Jésus, et puis travaille ça, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Okay? Le Saint-Esprit lui jouait un gros rôle dans la vie. Non? Alors, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, c'est-à-dire de nous-mêmes, amen, il est manifesté sous forme ça. Lorsque nous finissons d'accepter Christ, ou bien lorsque nous avons pour accepter Christ, c'est le même cas dans tout. C'est pas qu'on soit revenu. Okay? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est Dieu lui-même et puis touche cœur. Par la cœur, les arrêtons, les minotaux, amen. Et puis les menaient encore par lui-même. Et puis après ça, lui-même encore, pour capable de faire gérer, salut, sauver, c'est lui-même encore qui habitait dans la vie. Amen. Ça veut dire que l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Lorsque mon fils accepte Christ comme sauveur et mettre dans la ville et même côté à le Saint-Esprit de Dieu rentre. Si on a raison, toute bêtise, toute vieille bagaille que nous avons fait avant, on vient arriver au moment où on vient faire encore. Graduellement, il y a tout absorbé parce que le Saint-Esprit de Dieu habite dans la vie. Et lorsque il habite dans la vie, c'est la parole de Dieu dit dans Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Le jour de la rédemption, signifie rachat. Lorsque Christ a racheté, vous comprenez moi? Lorsque il finit racheté, qu'on est là, il mettait sur sa sous. Il mettait le Saint-Esprit de Dieu dans la vie. En d'autres Christ a vivre en dedans. Amen. Parce que on a plus que son monde qui naît de nouveau, le Saint-Esprit de Dieu vivre dans la vie ou pas doit habiller n'importe façon. Comme façon ou habiller. Attrister mon Dieu. Amen. Ou attrister le Saint-Esprit de Dieu qui est là. Dans la vie, ou mon façon de parler. Ou attrister le Saint-Esprit de Dieu qui est là. Dans la vie. Si on a raison, on va être un chrétien né de nouveau, n'est pas aussi facile.
Amen. Mon cas, je suis chrétien, mais pas né de nouveau. Amen. Et que le monde qui est de nouveau, c'est le monde qui a accepté Christ tout bon, qui quitte l'esprit de Dieu comme conduit. Il y a une parole qui vous a dit, ou vous a éclaté, mais puisque l'esprit de Dieu dans la vie, vous avez respect pour lui. Vous avez respect pour lui. Vous avez un côté qui a allé. On va voir que vous avez un côté qui a allé. Vous avez un bagage à la chaîne en dos, vous avez offert la chaîne. Amen. Mais puisque vous respectez le Saint-Esprit de Dieu qui habitait dans la vie, ça le passé, vous venez pas faire un homme. Et c'est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé le jour de la vie. À que l'église là, vous devez connaître comment bon Dieu habite dans la vie. Amen. Amen. Bon Dieu habite dans la vie par moi, son esprit, qui est le Saint-Esprit. Le Saint, le Saint-Esprit, Dieu est le Saint des saints. Dieu est le Saint des saints. Moi-même, avec vous, nous vivons saints par moyen d'acceptation en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vivons saints par moyen d'acceptation. Puisque nous acceptons Christ comme sauveur maintenant la vie, nous connaissons le sang de Jésus-Christ, que ça le dit dans. En Apocalypse chapitre 1 verset 5, il dit que à celui qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait des noms et royaumes de sacrificat, avec Christ délivré nous de tout péché, avec le sang de Jésus-Christ, les laver, les purifier, les sanctifier, avec l'église en général, depuis lors que vous acceptez Christ, depuis que vous acceptez tout le monde, où sont les gens qui régénèrent, où sont les gens qui sanctifient, qui sanctifie pour ce monde qui est de nous, de nouveau. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que vraiment l'église qui a venu chercher un fois né de nouveau. Amen. Amen. Et l'église qui est de nouveau, il gagne le Saint-Esprit de Dieu qui a quoi? Qui a conduit, qui a vécu en dedans. Si on a raison, lorsqu'il a passé dans l'église, qui est de nouveau, ça a déjà fait la préfère. La préfère là. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ben, on a deux balles qui vont passer. Avant de passer, bon Dieu révélé. Oui, amen. En tant que chrétien, oui, ça fait ça. Parce qu'on est de nous. Je crois que dans Malachie, la parole de Dieu, pour ça que bon Dieu pas fait rien sans ne pas révéler. Serviteur et serviteur. Ok, qui est-ce qui serviteur bon Dieu, serviteur bon Dieu? C'est le monde qui est de nous. Le monde qui est de nouveau. Parce que les gens qui sont de nos voix, ils obéissent, obéissant. Amen. Avec l'église. Amen. Les gens qui sont de nos voix, ils obéissent, ils cherchent moi, ils cherchent mon Dieu. Aïe, que bagage, mon Dieu, pas caché. Les bons Dieu t'appellent détruit son nom et comment, ils ne pas caché Abraham. Moi, ils ne font pas aller avec Abraham, ils allaient et puis ils viennent dans l'autre, ils retournent. Quand c'est retourné, ils disent ça, ils prennent fait là, ils ne peuvent pas dire Abraham, il faut dire Abraham. Amen. Amen. C'est parce qu'à cause d'Abraham, au moins, et que si Abraham est dans la zone, dans le territoire, et puis bon Dieu sauvé. Parce que lorsque vous êtes un monde qui naît de nouveau, vous avez respect pour mon Dieu qui respect pour vous. Amen. Amen. Dieu qui respect. Que les réellement important, que pas de problème pour demander mon Dieu de porter sa gueule ou besoin. Mais pour mon Dieu, il faut avoir respect pour mon Dieu. Il faut respecter mon Dieu. Amen. Même Jean, vous avez plus de la parole. Vous comprenez? Lorsque vous avez un monde, si vous avez demandé un bagage, ce qui parle fort pour vous, respect. Respect, oui. Je ne vais pas même dire que mettre l'amour de côté parce que l'amour est trop fort. Plutôt, vous ne parlez pas, mais respect. Respect. Parce que ce n'est pas facile pour vous, même vous. Amen. Mais respect, même si c'est en hypocrisie, vous devez. Vous devez bailler, vous devez bailler les parents. Vous devez bailler. Parce que les hommes respectent. Gembagaye n'a pas même besoin de nous. Ou à faire pour, ou à faire pour. Mais mon Dieu, respect nous de bailler mon Dieu, ce n'est pas une hypocrisie. Amen. Amen. Nous de bailler mon Dieu, on respect, parce qu'il mérite respect. Amen. Amen. Et que nous qui est de nous voir, les bailler mon Dieu tout respect. Nous avons gardé un verset à vous. Est-ce que nous t'écoutons? Oui, nous t'écoutons les lits. Nous avons gardé le verset encore pour vous dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 1 le verset 3. 1 Pierre chapitre 1, il est arrivé là-dedans. 1 Pierre chapitre 1 le verset 3. Il dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Amen. Il nous a régénérés pour une espérance vie vivante. On va lui régénérer nous pour une espérance vie. Alors, lui fait nous naître d'en haut ou naître de l'esprit ou bien lui accorde la nouvelle naissance pour une espérance vie vivante par la résurrection de Jésus, de Jésus-Christ d'entre les. M'a dit ça pour encore, béni sois-tu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, selon sa grande miséricorde, c'est pas parce que nous faisons des choses agréables, justes, bonnes devant le Seigneur, mais par sa grande miséricorde. Amen. Nous a régénérés. Et que bon Dieu prend nous, monde qui pas qualifié pour salut, et puis les qualifier. Nous-mêmes qui pas qualifié pour ciel, bon Dieu fait nous qualifier en Jésus. Parce que vous prenez le pays déjà. Amen l'église. Nous ne sommes pas qu'être marchandises. Nous ne sommes pas qu'être produits qui te charge un problème, qui te gâte. Et puis bon Dieu prend nous la préparer. Amen. Et jusqu'à maintenant, bon Dieu a préparé. Même jusqu'à maintenant, Dieu a préparé, il a préparé, l'a prétiré orgueil, l'a prétiré jalousie, l'a prétiré bonheur, l'a prétiré toute bagaille d'esprit immoralité, parce qu'il va vivre dans un monde qui est dérangé. Depuis que je suis dehors, moi-même je ne suis pas sorti dehors, regardez Facebook, regardez YouTube, ne vous pas comme moi, utilisez ou tout dérange. À question de raison, puisque nous sommes pas mon Dieu, nous sommes affaires, mon Dieu. Nous avons vu nos monde qui corrompit, qui battent, c'est de temps en temps à travailler dans nous. Aïe, produit ça, c'est produit pâle. Amen, l'église. Amen. C'est produit pâle de temps en temps qu'on travaille là-dedans. De temps en temps. On va avec l'église. On va, bon Dieu, à. On va travailler dans nous-mêmes de temps en temps, la brèche des rimes. Aïe, nous sommes capables de dire. Nouvelle naissance là, ou recevoir, lorsqu'on accepte Christ, c'est vrai, mais qui ont procès, il y a un processus. Amen. Donc, pour nous parler de ça, pendant, durant tout le moment qui a passé dans 10 jours. Okay? Ça fait que c'est un processus. Non, nouvelle naissance, parce qu'on accepte Christ. Si on marche bien, on accepte Christ, on accepte la vie éternelle. Mais on doit, qui ça lit? Parce que lui doit continuer. Et ça lui. Il doit continuer. Pour que vie sanctification a mené pour t'aimer. La vie éternelle, il doit continuer. Ou accepter Christ. Ou que la vie éternelle, mais ça paraît là. Parce que la Bible dit celui qui persévère là, jusqu'à la fin, sur la sorte. Oui, moi accepter Christ. Moi, bah, Christ la vie, c'est vrai. Mais ça paraît là. Amen. Je vais faire péché. Je vais faire sembler. Et puis, je me dis, bon, je vais accepter Christ, je vais sauver ton métier, je vais aller. Et puis, on va faire tout ça pas bon, n'est-ce pas? On va faire tout ça pas bon. Ou dans tout ça pas bon, on est à ton métier. Pas que c'est le bout. À quel ici on possède? Son processus. À quel ici on que? Parce que la miséricorde nous a régénéré pour une espérance. Parce que nous-mêmes qui ne sommes pas qualifiés, Dieu fait nous des qualifiés. Par sa grande miséricorde, il qualifie. Moi, je ne suis pas qualifié pour me là. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas parce que je suis qualifié pour me là. Mais c'est parce que Dieu prend. Amen. Lui, il qualifie et l'a qualifié. L'a continué à qualifier pour jusqu'à ce qu'elle prenne. Amen. Amen, l'église. Parce que bon, même Jean, le retour de Jésus-Christ est imminent. La mort pour même tout, l'imminent. Vous voulez qu'il doit mourir? Ou bien que l'on a que bon Dieu pour travailler la fin de la vie de 2 ans? De temps en temps. Ou bien qu'on travaille la fin. Ou bien qu'on a des fois, être mis en force, sentir ou qu'on est nouveau fort. Alors que vous t'as joué, vous t'as battu, vous t'as mangé, vous levez matin là, ou bien vous sentez que vous avez tout le monde là. Et puis le Saint-Esprit, mon Dieu, dedans. Amen, oui. Et pour sentir force, mon Dieu, peso. Et bien, on n'a pas qu'à faire. Amen. Lui. Et puis, c'est un petit moment où on sent que vous regardez, descendre. Et puis, mettre au cantique dans nous-mêmes.
Semble Jésus ses désirs. Lève seul au pas du monde. Tout le chanté et puis bon, ça a sorti. Amen. Amen. Tout vieux esprit immoralité a sorti. Amen. Amen. Tout vieux esprit des hommes a sorti. Amen. 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 C'est de temps en temps que Dieu a fait un travail extraordinaire dans nous, nous-mêmes. Amen. Pour une espérance vivante. Quelle espérance? Hein? Quelle espérance? Quelle promesse? C'est parce que Jésus-Christ a venu retourner chercher l'Église. Amen. C'est espérance que l'Église gagne. Amen. Amen. Mais si Christ va mourir, nous ne pouvons pas avoir espérance. Attendez, ça dit. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre l'air, d'entre la mort. Amen. Lui, Christ, lui mourit, lui ressuscité. Lorsqu'il finit de ressusciter, il ressuscite avec l'Église. Et puis il forme un corps, il quitte sur la terre et puis il monte dans le ciel. Quand il y a pour venir chercher l'Église, il fait l'Église pour mettre ça, que là, il retourne venir chercher l'Église. Ça fait ça, c'est parce qu'il était mort. Amen, oui. Amen. Pendant le mourir, et puis, il mettait dans le tombeau, et après ça, après 3 jours, il ressuscite. Il ressuscite, il n'est pas dans le tombeau encore, dans le ciel, il y a là, il est pour venir chercher l'Église. C'est l'espérance de l'Église, ça. C'est l'espérance pour nous qui est de nouveau à ça. C'est l'espérance pour nous qui attend Christ dans ça. Mais puisqu'on attend Christ, qu'on est là, nous devons mener une vie de sanctification. Amen. Une vie de purification. Pour toujours laver dans le sang de l'agneau. Je t'ai dit, laver dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc. L'Éternel dit, au bon soyez saint car je suis. À quel monde la vie nous cherchant, nous devons vivre une vie de sanctification. À quelle église qui est de nouveau, sont l'église qui vivre une vie de sanctification. Même Jean pour victoire chrétien pas marcher sans sanctification. Les marcher avec sanctification, pas de problème pour qu'on t'aime nous, pas de problème pour qu'on t'aime à vous, mais il faut le voir dans sens. Waouh! Bon petit bleu. Si vous pas de sens, mon Dieu, c'est pas capable qu'elle n'est pas capable. La parole de Dieu dit nous ça. Dans Esaïe, regardez bien. 59. C'est pas délivré, mon Dieu, pas qu'à délivrer. Il qu'à délivrer. Vous voyez? Esaïe 59, verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille produit pour entendre. Qui ça dit? Mais ce sont vos cris qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent à sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce n'est pas parce que mon Dieu m'a gardé les livres. Les capables. Les gens pouvoir, les gens autorité, mais vos bagailles qui empêchent. Vos bagailles qui empêchent, mon Dieu. Qui fait, mon Dieu, pour qu'on crée ces milliers de camps en façon. Sur une raison, il faut checker la vie. Si on dit, on va accepter Christ, ou sur une qui naît de nouveau, gardez ce pas nos vies qui sales. On va garder ce pas nos vies qui sales. Avec soi-même, la vie qui sale, avec sa séparation. Si vous dites, vous êtes dans l'église là, vous mariez, vous avez l'autre mari, vous avez l'autre boyfriend, vous avez l'autre ami garçon, vous avez l'autre ami fille, comment vous avez délivré? Vous avez un petit bon lettre, comment vous avez délivré? Vous avez un jour là, comment vous avez délivré? Jamais vous avez délivré. Dites tout ça, vous n'êtes pas méchant. C'est nous, regardez, nous sommes tellement méchants, nous méchants avec nous, peut-être pas nous. Nous ne savons peut-être pas nous. Laisse ça. Quel bon Dieu fait le mal. C'est pas seulement tomber dans le péché qui a attristé mon Dieu, non. Mais bon niveau de méchanceté que ouillé avec tête, il a attristé la présence de mon Dieu. Amen. Parce que mon Dieu voulait délivrer.